dort. Il est trop mignon, je l'aime. Je vais attendre qu'il se réveille, je vais aller faire ma douche. J'espère que quand je vais me réveiller, que quand je vais finir ma douche, il va se réveiller. Il est trop beau. Bon les filles, ça y est, j'ai fait ma petite douche, j'ai séché mes cheveux, là je me sens trop trop bien. Franchement j'ai pris des petites couleurs légères, mais je suis plus aussi blanche que quand je suis arrivée, donc je suis bien contente. Alors les filles, je vais vous parler de mes produits favoris de chez Cellule Blue, vous savez. Alors ma maman, elle nous a préparé un petit repas, donc elle nous a fait des lentilles, parce que ça c'est super bon pour le faire. Les lentilles comme ça, la marocaine, c'est tellement bon. Moi, avec du poulet, pour moi et elle, parce que mon père il est pas là, mon père il est en déplacement, je vous explique tout à l'heure. J'amale du poisson hein, puisqu'il ne mange pas de poulet. Petite salade avec des petits toasts aux chèvres. On va rajouter du miel dessus. Alors, je vous explique, je vous fais une petite mise au point parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais elle est où ta sœur? Il est où ton frère ?» etc. Déjà, mon père, cette semaine, vous n'allez pas trop le voir parce qu'il ne revient que vendredi parce qu'il est en déplacement pour le travail. Donc voilà, il avait un chantier, donc il revient que vendredi parce que mon père il travaille dans le bâtiment. Mon frère vient vendredi avec Juliette, ma belle-sœur. Je suis trop contente puisqu'ils étaient à Paris. Donc là, ils reviennent... Ils redescendent dans le sud vendredi, en plus c'est son anniversaire. Et ma sœur arrive la semaine d'après définitivement. Parce que moi, ma sœur, à chaque fois, vous me dites, mais elle est où, elle est où, elle est où? Ma sœur, elle travaillait comme moi. Enfin, moi, dès que je suis partie en Suisse, j'ai ramené ma petite sœur vers la fin où j'ai quitté. Donc ma sœur, elle, elle travaillait en Suisse. Mais là, ça y est, elle arrête de travailler en Suisse et elle retourne habiter chez mes parents. Donc elle revient la semaine prochaine. Elle a déjà ramené la moitié de ses affaires. Donc elle va récupérer sa chambre aussi. Donc voilà, à partir de vendredi, il va y avoir du monde à la maison, parce que ça va faire du bien, on sera en famille. Et je vais en profiter. Moi, les filles, je pars fin du mois de juillet, parce que ma mère, elle va reprendre le boulot le 28 juillet. Donc moi, je partirai à ce moment-là au Maroc. Dès que ma mère, elle reprend, parce que là, je profite, vu que là, elle s'est mise en vacances et qu'elle est là et tout. Dès qu'elle reprend, je partirai au Maroc direct. Alors ça, moi, j'en ai bien besoin, des bonnes lentilles. Elles sont... Je lui demande tout à l'heure. Ma maman, elle vient de me donner ses deux petits sacs. Elle m'a dit que c'est ses collègues de travail qui ont offert des cadeaux pour Isaac. Franchement, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Je vais faire passer le message à ma maman. Je vais vous laisser un petit message. Mais franchement, c'est trop gentil d'avoir pensé à mon fils. Alors les filles, je vous jure que tout à l'heure, j'étais à Cannes. Et je suis passée devant la boutique et je me suis arrêtée devant. J'étais en train de faire du lèche-vitrine, la boutique tartine et chocolat. Franchement, c'est trop mignon. Donc, on a ce petit polo comme ça avec des petites abeilles, des petits insectes. C'est trop chou. Avec le petit short tartine et chocolat, il est trop mignon. Adorable. On a des petits polos jacadis, le petit t-shirt plein sud. Trop adorable. C'est magnifique. Franchement, vous avez trop de goût. Et mais je meurs. Regardez comment c'est trop, trop beau. Par contre, les filles, ça marche trop, trop bien ce que je vous ai dit pour booster la lactation. Regardez tout ce que j'ai tiré. C'est énorme. J'ai pas fait le deuxième. Regardez, là il commence à pleurer, commence à s'exciter. Et maman va chanter sa chanson. Matou avait mal au temps. Sa maman lui dit, mon doudou, brosse tes dents un peu plus souvent. Attends, maman, vas-y, arrête, arrête. Vas-y, rechante-le, vas-y. Les caries, on n'en veut plus du tout. Mamadou mange du dentifrice. Quel délice! Concernant ce cododo, je vous fais un retour. Alors moi, à la maison, vous savez, je vais vous remettre la référence du cododo que j'ai à la maison. C'est pas du tout celui-ci. Celui-ci, on l'avait acheté comme ça pour préparer la chambre. Personnellement, je ne l'aime pas. C'est la marque Nania, il me semble. Comparé à celui que j'ai à la maison, celui-ci, tu peux pas le déplacer dans la maison parce que juste, il avance et recule. Tu peux pas, voilà, vous pouvez pas le mettre... On ne peut pas le faire avancer comme ça ni comme ça. Il faut le porter, le déplacer dans le salon. Parce que voilà, tu ne peux pas le pousser. C'est juste, il avance et il recule. Mais ça ne passe pas dans le couloir comme ça. En plus de ça, je trouve qu'il n'est pas assez respirant à ce niveau-là. Moi, dans mon cododo, tout est comme ça. Là, je trouve que ça se ferme trop. Et ici,
Par exemple, si je laisse ouvert ça, attendez, je vais vous montrer. Donc ça, dès qu'on l'enlève en fait, pour pouvoir prendre le bébé ou autre, ou laisser ouvert pour qu'il soit à côté, je le trouve trop bas. Moi, il est un peu plus haut. Ça veut dire Isaac, il peut pas sortir, même si ça, je le laisse ouvert. Là, Isaac, il peut sortir et voilà, il peut tomber, même s'il faut toujours fermer ça. Moi, j'aime bien des fois le laisser ouvert quand il est vraiment collé au lit, quand je suis chez moi. Et celui-ci, je le trouve trop bas. Vraiment, le mien, à la maison, il est plus haut. Donc celui-ci, vraiment, j'aime pas. Comparé à celui que j'ai à la maison, voilà, c'est le meilleur. Je peux le balader dans toute la maison. Je peux pousser Isaac pendant qu'il dort. Je peux le balancer. Vraiment, celui-là, il a rien de spécial en fait. Ni il est assez respirant. Vous voyez, il est trop fermé. Voilà, ça y est, les filles. Isaac, il s'est endormi. Moi, je vais pas tarder non plus. La plage, ça m'a fracassé, ça fatigue la plage, c'est un truc de fou. Avant, je pouvais assumer, l'année dernière, il y a 2 ans quand j'habitais chez mes parents, de me faire des plages, rentrer, me changer, me laver, d'aller au resto. Là, ça y est, je suis devenue une mamie. Là, si je me fais une plage la journée, je pourrais pas enchaîner sur un resto le soir. C'est soit l'un, soit l'autre. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait un haul. Donc là les filles, préparez-vous pour un haul Mumbai, ça fait longtemps. Donc on a déjà cet ensemble magnifique, vraiment très léger pour l'été. Donc on a la petite chemise avec le pantalon, avec le sous-short à l'intérieur. Donc ça c'est pas confortable. Avec ces petites claquettes qui sont juste trop belles. Là j'ai rajouté mes petites lunettes et mon petit sac mango. Alors je vous montre la petite paire de claquettes qui va super bien avec mon sac mango. Trop trop belle. Alors les filles, concernant le pantalon, alors je tiens à vous préciser que le short est collé au pantalon, il est bien intégré, donc comme ça c'est pas... Du coup moi les filles, je vous ai dit, je vais mettre la première tenue que je vous ai présentée, j'ai juste mis un petit t-shirt en dessous, voilà, au cas où j'ai chaud. Et voilà, let's go. Donc là Isaac il est prêt, Jamal il est prêt, ma mère par contre malheureusement elle a des petits papiers à faire, donc elle va pas venir avec nous.
Là, on va aller au centre commercial. C'est un centre commercial ouvert. Il est trop, trop bien. C'est magnifique, vu sur la plage et tout. Donc, on va aller manger aussi là-bas. Donc, il fait frais à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-bas. Il n'y a que Isa qui veut sortir que là-bas. Sinon, il fait trop chaud ailleurs. Bon, allez les filles, nous, on y va. Du coup, moi, je suis montée derrière avec Isaac. Jamal, il est devant. C'est là que mon père et Jamal, ils ont fait du jet ski, les filles. Ça a... Là, ici, à partir de... Donc là, les filles, on est arrivé, on est à Cap 3000. Et Isaac, il est émerveillé. Il fait que de regarder à droite, à gauche. Donc là, on est mangé en extérieur. Il y a un super beau spot. Donc là, les filles, je suis à Cap 3000. C'est un gigantesque centre commercial à Saint-Laurent-du-Var. Et là, vous avez l'extérieur, on va aller manger dehors. Bon, les filles, on est venu manger à Gomu Burger. Je voulais trop tester. Il y en a ça à Paris. Là, on en a trouvé un juste devant la plage, le bord de mer, du centre commercial. Donc on va manger parce que là, c'est trop trop faim. Isaac aussi, il mange. J'ai oublié mon petit truc là. Du coup, j'ai juste mis un lange comme ça. Alors, les filles, moi j'ai pris un Gomu Burger Steak. Jamal, il a pris au poulet. J'ai pris des frites de patates douces. Ça a l'air vraiment très très bon. Bon appétit. Franchement, les filles, j'ai goûté. C'est super bon. Vraiment, c'est très très bon. Même les frites, elles sont bonnes. Moi, j'avais trop faim. J'ai tout dégommé. Les filles, le resto, il est juste ici. On a les filles, j'ai quelques petits trucs à acheter déjà, il faut que je me rachète des pansements parce que là mon pansement il est en fin de vie, j'en ai plus du tout. On va aller à Picard, on va aller acheter, vous savez les glaces que je vous ai dit là, givré, on va acheter ceux à la coco si on trouve, j'espère qu'il y en a. Et puisque c'est en train de faire le buzz sur TikTok, j'ai vu que tout le monde a acheté ça, disait que c'était trop bon.